Le long tunnel de peau de 4635 mètres situé entre Vungouti et Zungu-Kibangu sur le nouveau tracé du CFCO est en état de dégradation. C'est pour faire l'état de lieu de cette infrastructure que Dieudonné Tshikaya, le directeur de cabinet du ministre des Transports, a conduit cette délégation. Constat, ce tunnel mérite des travaux de réhabilitation. Problème, avant de réhabiliter ce tunnel, il faut réouvrir l'ancien tracé. Sinon, le trafic ferroviaire sera interrompu. Nous avons constaté que ce tunnel nécessite des travaux de réhabilitation. Nous sommes en train de travailler là-dessus, de programmer des travaux que nous allons soumettre au gouvernement pour que ce tunnel puisse être réhabilité afin de préserver l'état, de permettre que le transport continue à se faire dans ce tunnel en toute sécurité. Quand la reprise du train Binda? La reprise du train Binda dès que possible. Mais aujourd'hui, nous avons également beaucoup de problèmes dans l'état de la voie qui relie Mombelo à Binda. Le grand tunnel a été construit entre 1976 et 1945 et le 15 août 1945 marque la date de l'inauguration du réalignement.